Bonjour, frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ils ont attrapé un pasteur ritualiste. Mes frères et sœurs, regardez là-bas. Selon l'information que j'ai reçue, on dit que c'est cet homme qui est là-bas. Et dans une vidéo, il s'est confessé pour dire ce qu'il allait faire ou ce qu'il était en train de faire. Parce que il était en mission. Quelle était sa mission? Qui l'a envoyé? Il nous a tout révélé. D'abord, voici ce qui s'est passé. Selon l'information que j'ai reçue, on nous dit que le monsieur achetait un terrain dans un quartier, vous voyez. Et il avait l'intention de construire une église. Maintenant, il souhaitait que l'église qu'il allait construire puisse marcher. Il souhaiterait que cette église soit remplie de monde, bondée de monde, comme ce qu'on a l'habitude de voir au Nigeria. Et pour ce faire, le monsieur allait voir des spiritistes, des gens qui parlent aux esprits, des gens qui sont capables de faire des rituels pour avoir quelque chose. Vous voyez les choses du genre. Et quand il est arrivé là-bas, il leur a dit, écoute, pour le travail que tu nous demandes, nous allons te demander du sang, le sang d'un enfant. Le monsieur a dit, ah bon, c'est de ça que vous avez besoin. Il dit, oui, on a besoin du sang d'un enfant. Et cet homme réfléchissait à comment il allait faire pour pouvoir avoir cela. Lorsque une idée lui est venue à l'esprit. Et savez-vous quelle était son idée? Alors là, c'est grave. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit vraiment. C'est vrai, on prie Dieu, mais il faut faire attention. L'idée du gars, hein, c'était de prendre sa Bible, aller chez la voisine du quartier et lui prêcher la parole de Dieu. En même temps, ils ont mangé ensemble. Et au moment où la voisine va se rendre compte, là, elle s'est endormie. Quand elle s'est endormie, là, le monsieur, il allait faire quelque chose sur sa petite fille. Comment la femme a su ça? En fait, quand elle s'est réveillée, son enfant est rapidement allé vers elle et lui dit que il y a du sang qui sort de son sexe. Ah! La maman dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce s'est-il passé? L'enfant là a tout raconté. L'enfant a dit, maman, quand tu étais endormi, le pasteur a mis quelque chose dans mon sexe. Il a tourné, 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 tourné. Et regarde. Je suis choqué. Je vous raconte exactement ce que j'ai reçu comme information. Là, juste là, c'est frais. Frais, frais. Ouais. L'information toute fraîche. Je suis choqué. Maintenant, le pasteur avait disparu. La femme ne l'a plus revu pour lui poser des questions et savoir ce qui s'était réellement passé. Maintenant, voici que Dieu a fait les choses et le pasteur va repasser dans le quartier. Dès que le pasteur va repasser dans le quartier, la femme en question, elle va se lever, aller prendre le gros bras du quartier, aller serrer le pasteur là, pour lui demander ce qu'il fait ici et ce qu'il a fait à sa fille l'autre fois. Elle aimerait savoir. Voici comment les jeunes groupes du quartier
vont aller interpeller le pasteur. Ils lui posent des questions, le pasteur ne veut pas parler. Ils sont entrés dans une violence pas possible. Ils l'ont serré quelque part là-bas. Il a commencé à se confesser en même temps. Il a commencé à se convertir. Il dit que lui voulait agrandir son église. C'est pourquoi il allait voir des gens qui lui ont demandé du sang, le sang de l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle il allait là-bas et il a mis son doigt dans le sexe de la fille à la femme pour prendre son sang. Malheureusement, son sang a été rejeté. C'est pourquoi il est de retour dans le quartier encore pour voir quel autre enfant il va cibler afin de pouvoir prendre son sang pour des rituels. Jésus. Jésus. À partir d'aujourd'hui, moi, je vous le dis en vérité. Méfiez-vous des pasteurs plus que des voleurs. Méfiez-vous des pasteurs plus que des bandits. Méfiez-vous à des aventuriers, à des gens qui n'ont pas été appelés par Dieu, mais qui veulent être dans l'église afin de faire un business. Un business. Le business des miracles. Le business des prodiges. Envoûter les gens. Faire des pratiques occultes. Il y a des choses terribles dans l'église aujourd'hui. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Dieu n'est même plus dans le deuxième bâtiment. Hein. Dieu se trouve dehors. Il marche avec nous. Tout à l'heure, je suis sorti. Si vous avez vu qu'il n'a pas fait de vidéo jusqu'à plusieurs heures après la première vidéo que vous avez vue, c'est parce que j'étais sorti, j'étais allé faire des courses, on avait besoin d'équipement, donc je suis allé acheter des équipements. Ah! Quand je sors, Dieu marche avec moi. Il est dehors là-bas avec moi. Ouais. Ouais. Dieu marche avec ceux qui le craignent. Dieu ne marche pas avec les bâtiments. Je vous assure. Le monsieur voulait que son bâtiment soit rempli et bondé de monde. Pour cela, il a décidé de toucher aux interdits. Il a décidé de toucher à une pratique occulte dangereuse, ce qui consiste à utiliser le sang. Le sang humain. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qui l'a motivé à le faire? Selon vous, qu'est-ce qui l'a motivé à le faire? Bien évidemment, ce qui l'a motivé à le faire, c'est tout simplement le fait qu'il a vu d'autres pasteurs le faire. Et ça a marché. Et ça a fonctionné sur vous, sur vous, sur vous, sur vous, sur vous. Sur vous. Donc, comme il a vu ça, il s'est dit que lui aussi, il peut le faire pour vous manipuler. C'est ça, la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Mes frères et sœurs, vraiment, danger. Danger dans ce monde. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que dans ce monde, vraiment, il y a de mauvaises personnes. Vous allez ouvrir votre cœur à quelqu'un. Parce que vous avez confiance en cette personne. Mais le diable va utiliser cette personne pour vous avoir, pour essayer de vous détruire. Faites très attention. Allez écouter très bien encore la vidéo que j'ai faite. Vous allez découvrir des choses. Pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, elle va apparaître ici sur l'écran. Vous allez cliquer là-dessus. Et vous allez entendre tout ce que je vous ai dit. Sur ce que moi-même j'ai remarqué, ce que j'ai vu, mon expérience nouvelle. Toute fraîche. Fraîche, fraîche. Vous allez découvrir par vous-même ce qu'il en est. Ah, Seigneur, la dernière fois, c'était un pasteur qui faisait semblant de prier sur la carte bancaire d'une petite, alors qu'il a changé sa carte bancaire contre une autre fidèle carte bancaire. Et il lui dit en plus, ne regarde pas ta carte bancaire,
Va à la maison. Parce que si tu regardes ta carte bancaire, tu risques d'empêcher la main de Dieu d'agir ou d'empêcher ton miracle d'agir à ta vie. Parce qu'il avait, il avait dit à la fille, en fait, il avait donné des révélations à la fille. Et la fille, elle lui a cru parce que le pasteur a parlé de de ses parents qui sont décédés et comment elle lutte pour pouvoir s'en sortir. Il lui dit, tu vraiment, moi j'aime ce genre de personnes, la personne qui lutte pour pouvoir s'en sortir, peu importe le problème. Vraiment, j'aimerais prier pour toi. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a décidé de changer ta vie et de mettre fin à ta souffrance. Alors, donne-moi ta carte bancaire. Je vais prier là-dessus. Là, quand tu vas arriver à la maison, là, une bénédiction va descendre du ciel et à mettre de l'argent sur ton compte bancaire. La fille aussi, comme le monsieur a parlé de ses parents qui sont décédés, c'est dit que c'est un vrai prophète en même temps, c'est un homme de Dieu, le daddy, le papa pasteur. Jackie, c'était un voleur pasteur, un voleur spirituel. Des gens qui donnent des révélations, méfiez-vous d'eux. Il y a beaucoup de sorciers dedans qui viennent pour voler les gens. Le sorcier voit l'avenir. Il peut voir la vie des gens. Ça, ce n'est rien. Si quelqu'un vous révèle des choses sur vous, sur votre identité, qui vous êtes, votre vie, que ça ne vous dise rien, ce n'est rien. Mais le truc qui est important là, c'est de d'accomplir ce qu'on dit. Parce qu'on reconnaîtra un vrai prophète par l'accomplissement de ce qu'il a dit, et c'est vrai. La parole de Dieu ne ment pas. Hey, moi je crois. Moi je crois. C'est ça que ça. C'est ça que ça. Vraiment, ce monde tire à sa fin. Méfiez-vous les frères et sœurs. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts. Restez connectés.